Bonjour à tous. Souvenez-vous, il y a environ un an, Entre Terre et Mer s'était rendu sur un ballon grillé pour vous faire vivre les différentes étapes d'une campagne de pêche au thon au large de la Grande Terre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte de la filière en nous intéressant à la transformation et à la destination finale de cette pêche. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi porter notre regard sur la question de la gestion des stocks. Et de ce côté, il semble qu'il y ait urgence. Savez-vous par exemple que, toute espèce confondue, les captures de thon dans le monde ont décuplé en l'espace de 50 ans, passant de 400 000 tonnes en 1950 à 4,5 millions de tonnes aujourd'hui. Nous avons donc rencontré différents acteurs pour tenter de comprendre quel était l'impact de l'activité humaine sur une denrée que beaucoup considèrent en voie de raréfaction. Pour commencer, je vous propose de nous rendre dans une usine qui gère le traitement et la vente du poisson du large. C'est dans ce type de structure que la sélection est faite, soit pour le marché local, soit pour le marché très particulier du Japon. De la découpe à l'export, vous allez mieux comprendre comment tout cela fonctionne en compagnie de Jessica Bouillet. Donc là, on attend 5 heures parce que le bateau décharge à 5 heures. Donc là, on se prépare au déchargement, on prépare tout ce qu'il faut, on commence à préparer également les commandes, toujours. C'est la mise en place. Tout est prêt, transpalette, couteau, vous avez tout ce qu'il vous faut. Export. Bah, chimez-le au bout là, comme d'habitude. Attendez, je... Export. Je m'appelle Jessica Bouillet. Donc, je suis actuellement la directrice d'exploitation de Pacific Tuna, qui est une société de transformation et de vente de poissons du large. Donc, nous travaillons avec notre principal fournisseur, Navimont. Et nous faisons partie des sociétés de la Sodil. Navimont a 7 navires, donc on répartit ces 7 navires sur 2 semaines. Une semaine avec 3 navires et une avec 4. Et on a en général 3 jours de déchargement, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ces 3 jours, ils ont été décidés en fonction des exports qui sont possibles le soir sur le Japon et également par rapport au marché local, c'est-à-dire que le lundi matin, il nous faut absolument du poisson pour distribuer sur tous les marchés et ensuite tout réparti équitablement tout au long de la semaine afin d'assurer le maximum de fraîcheur. Alors annuellement pour Navimont c'est entre 1100 et 1400 tonnes de poissons tout confondu. Nous on a quand même un impératif qui est d'acheter l'ensemble de la pêche de Navimont, quelles que soient les quantités. C'est pour ça qu'on a été créé au départ. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de système qui fonctionnait. Donc l'idée, ça a été de monter une société qui s'engageait à acheter l'ensemble du poisson. Nous, on se concentre sur le Japon et également sur des conserveries à Pago Pago. Là, je suis en train de faire le tri pour l'export, sur le Japon. Donc, je suis en train de choisir les poissons qui vont partir, qui vont prendre l'avion ce soir. Les tris, il y en a à différents niveaux. Les premiers qui se font, c'est à bord. Ensuite, au niveau de l'atelier même, donc là, c'est le moment où on décide concrètement de quel poisson part sur le Japon ou reste sur le marché local. Donc là, il y a un tri qualitatif au niveau de la chair. Il s'agit de couper un morceau de chair et de regarder ce qu'il y a dedans, exactement. Et pour le marché local en lui-même, on fait un premier tri assez rapide de manière à déterminer quels sont les poissons à découper en premier
et ceux qu'on peut garder 2 ou 3 jours de plus en chambre froide. La qualité pour le Japon, elle est basée sur déjà des critères généraux de fraîcheur, évidemment, extérieur. La couleur des ouïes, l'état des yeux, la peau, la fermeté de la chair, évidemment. Et puis après, à l'intérieur, ça va être la couleur de la chair, la brillance et éventuellement le gras. Par exemple, là, vous en avez un qui est magnifique, il est brillant, il est noir. Et celui-là, par exemple, eh ben, on voit qu'il est légèrement abîmé dessus, sur la peau. Voilà, la chair reste ferme, donc ça restera du A. Voilà. Là, pour l'instant, ce que vous avez là, c'est quasiment que du A. Celui-là, on pourrait dire que c'est de l'extra, mais nous, on ne fait pas cette distinction-là. On va faire le A et B pour simplifier les choses. On peut penser que les Japonais ont un traitement de faveur. Ce traitement de faveur, il est pour différentes raisons. D'une part, par rapport à leur exigence. C'est vrai que l'histoire de la pêche en Calédonie, elle a commencé quand même avec les Japonais. Et c'est eux qui ont appris leur technique de pêche. Et c'est vrai qu'eux sont très exigeants, mais en contrepartie, il y a des prix qui sont intéressants. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, tout simplement, vendre l'ensemble de notre pêche sur le marché local. Il va être très rapidement saturé, donc c'est très important pour nous de conserver ce marché avec des clients qui sont bien au courant des saisons de pêche et qui savent très bien qu'il y a des saisons creuses et des saisons où il y a beaucoup de poissons et qui vont accepter ces états de fait, quoi. Et qui vont, c'est-à-dire que je peux très bien ne pas leur envoyer de poissons pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je conserverai ses clients quand même. Mika, tu prépares 15 tons blancs, 3 x 5. On va passer dans la partie préparation des commandes. Les Japonais, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment quelque chose de qualité. Voilà, parce que moi, mon client, il va revendre son poisson sur le marché japonais. Et s'il peut vendre la Nouvelle-Calédonie comme une origine de choix pour ses poissons, forcément, ça va nous donner une image de marque et une image de qualité supérieure. Sur le marché japonais, on a uniquement des poissons entiers qui sont envoyés, certaines espèces également, une certaine qualité. Et donc tout le reste qui arrive sur le marché local va être découpé, contrairement à... Voilà, le marché japonais, lui, ne demande pas de poissons coupés, parce qu'ils préfèrent eux-mêmes le découper. Ils ont leur technique de découpe et pour leur système de vente sur place, c'est beaucoup plus pratique de les avoir entiers. Tout à notre avantage, ça nous permet d'écouler une très grosse partie de notre production sans avoir à la transformer. C'est ce qui nous prend vraiment le plus de temps, le plus de personnes. Donc là, ça nous permet à la fois de stocker tout le déchargement de ce matin, par exemple, alors qu'on aurait pu être embêté avec toutes les espèces, toutes les pièces qui sont parties à l'export. Elles auraient été là et du coup, on aurait été obligé de congeler une grosse partie de notre production. Et le produit surgelé est quand même beaucoup moins intéressant que le produit frais à travailler. Donc là, on est dans la salle de découpe avec Roland et Jean-Joël. C'est un peu le cœur de notre métier, la découpe des poissons. On a différentes techniques de découpe selon les espèces. Le thon blanc, là derrière, on voit Jean-Joël qui est en train de couper le thon blanc. Et puis, selon les espèces, le thon blanc se découpe suspendu et les autres espèces, en général, sur une table à plat. Alors après, on va filmer les filets, on va les emballer pour les protéger de toutes les contaminations qu'il pourrait y avoir, pour pouvoir ensuite les manipuler, les envoyer en livraison, etc. Alors c'est vrai qu'on a souvent cette remarque-là de dire « Oui, mais nous, sur le marché local, on n'a pas du beau poisson. » Alors c'est pas vrai. On va dire que c'est la qualité extra pour le Japon, c'est vrai. Et c'est essentiellement dû à des questions financières. Mais sur le marché local, quand on a les espèces A et les poissons A et les poissons B, ce sont des poissons qui sont tout à fait corrects,
que moi-même je consomme, que tous mes employés consomment. Enfin, il n'y a pas de, on n'a pas honte de, du poisson qu'on va vendre sur le marché local. Il ne faut pas s'imaginer. C'est du poisson qui est traité tellement, je veux dire, tellement bien au niveau de la pêche déjà. Je veux dire, à chaque poisson, c'est au moins 2 ou 3 hommes qui travaillent dessus. C'est chaque poisson monté un par un, traité un par un, glacé dans la cale immédiatement après la pêche, après qu'il ait été saigné et vidé. Donc il y a quand même déjà un produit de qualité à la base qu'on ne trouverait pas forcément ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays. Le thon blanc, c'est l'espèce qu'on empêche le plus. C'est ce que l'on trouve le plus de toute façon dans la zone. Ce n'est pas forcément l'espèce que l'on va cibler. Et c'est l'espèce qu'on a quasiment toute l'année avec très 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 peu de ruptures. C'est une pêche qui permet déjà aux équipages de vivre bien, ça c'est certain, parce que tout vient d'eux au départ, hein, faut quand même le remarquer. C'est sûr que, on va dire qu'en dessous de 5 tonnes, ben, c'est pas très bon pour les marins et nous certainement qu'on va manquer d'une espèce ou d'une autre. Voilà. Il n'y a pas de quota dans la zone calédonienne. Il y a des espèces qui sont interdites, forcément, les espèces protégées ne doivent pas être pêchées. Mais sinon, on n'a pas de quota parce qu'on a une technique de pêche, c'est la palangre. Donc c'est un système de lignes et d'hameçons. Donc un hameçon peut attraper un poisson, voilà, c'est, et pas plus. Et, donc ça fait une sélection également dans les tailles par rapport à la taille de l'hameçon et à la taille de l'appât. Il y a aussi, je crois, une volonté des marins, tout simplement, de ne pas, vouloir forcément taper dans les stocks. S'ils tombent sur des petits, sur des zones où il y a beaucoup de petits, ils vont partir, ils vont changer de zone parce que d'une part, eux, financièrement, ça ne les intéresse pas de ramener plein plein de petits poissons. Ça nous convient à nous aussi parce que forcément, un rendement sur un petit poisson, c'est pas ce qu'on va rechercher. On préfère des pièces moyennes, importantes, des poissons qui ont déjà grandi, qui sont déjà reproduits, etc. En Nouvelle-Calédonie, ben, le marché il est plutôt en développement, on va dire, parce que ben, je pense que les gens, déjà, il y a plus de communication sur notre pêche, sur la technique, sur les différentes espèces, etc. Les gens sont intéressés, forcément. C'est un produit qui est naturel. Donc oui, j'espère que ça va se développer encore et que ça va permettre la continuité de notre activité, ben, c'est sûr. On essaye bien sûr de développer sur beaucoup d'autres marchés. Maintenant, le marché local, ça reste notre marché prioritaire. Ça a toujours été. Et voilà, et bien sûr qu'on y apporte beaucoup d'attention. C'est pour ça aussi qu'on va jusqu'aux clients pour avoir leur retour directement. Direction maintenant le secrétariat général de la Communauté du Pacifique, autrement dit la CPS à Nouméa. Au sein de cette organisation internationale, des biologistes des pêches s'intéressent au comportement des poissons, à leur nourriture, à leur déplacement. Autrement dit, ils cherchent à mieux comprendre les espèces pour pouvoir mieux les préserver. Nous sommes allés à leur rencontre pour qu'ils nous parlent de leurs recherches et nous dressent un état des lieux de la ressource en thon dans le Pacifique. Faut-il s'inquiéter de voir nos eaux se vider de la ressource ? Comment réduire l'effort de pêche avant qu'il ne soit trop tard? Réponse tout de suite. Donc globalement dans le Pacifique, il y a 4 espèces de thon. On distingue donc 3 espèces de thon tropicales. Donc il y a la bonite à ventre rayé, et puis le thon jaune et le thon obèse, qu'on appelle aussi le thon bashi. Et puis donc on a ce qu'on trouve particulièrement ici en Calédonie, puis dans tous les pays du sud du Pacifique, c'est le thon germont ou le thon blanc. Et donc ces 4 espèces font partie de la même famille, la famille des scombridés. Et ils sont vraiment caractérisés par cette forme assez allongée. Donc ce sont des poissons qui sont très hydrodynamiques. On
l'idée de mieux comprendre le fonctionnement de l'écosystème et comment le thon est situé, se situe dans son écosystème. Donc on essaye à la fois de comprendre quels sont les facteurs de l'environnement qui vont l'influencer, comme la température ou les courants, et puis comment il interagit en fait avec les autres espèces dans l'océan. Et donc ça, la manière principale de voir ça, c'est en fait de regarder son alimentation. Parce que c'est vraiment l'aspect proie-prédateur, donc les interactions alimentaires, c'est les interactions principales qui existent entre les différentes espèces. Et donc ça nous permet de comprendre pourquoi le thon va se déplacer et comment il va influencer son écosystème et comment l'écosystème l'influence lui. La pêche thonnière dans notre région, ce qu'on appelle le Pacifique Centre-Ouest, c'est la plus importante du monde. C'est 60% du thon qui est pêché dans le monde, 2,6 millions de tonnes de thon. C'est 6 milliards de dollars en valeur. C'est une des plus importantes sources de revenus pour certains pays du Pacifique. Certains pays, ça représente 40% de leur PIB, les revenus venant de la pêche thonnière. On a environ 300 bateaux industriels, des gros seineurs, qui pêchent donc dans la zone équatoriale. On a entre 3 et 4 000 palangriers qui pêchent sur toute la zone. Donc c'est très important. Donc nous, pour gérer les stocks de thon de cette région à la CPS, au programme pêche hauturière, on reçoit déjà toutes les données de capture qui nous viennent de tous les bateaux qui pêchent des thons dans le Pacifique. On reçoit aussi les données des observateurs qui sont à bord de ces bateaux. Et on collecte des informations sur la biologie des espèces, des échantillons biologiques qui nous permettent de déterminer la croissance des poissons avec leurs otolithes, des petits os qui sont dans l'oreille interne des poissons, des contenus stomacaux qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Et aussi, on fait du marquage. On fait du marquage conventionnel, c'est-à-dire avec des marques externes qui sont juste un numéro qu'on place sur le corps du poisson. Et là, on va avoir juste une idée du déplacement, direct entre le point de marquage et le point où le poisson va être capturé. Ça donne une idée des migrations, du déplacement, des déplacements grossiers des poissons. Ça nous donne une idée aussi de la mortalité des poissons et combien sont pêchés par la pêche. Et on fait aussi du marquage électronique avec des marques qu'on appelle archives, qu'on place à l'intérieur du ventre du poisson. Petite opération chirurgicale, on ouvre le ventre, on place la marque, on recoud et on relâche le poisson. Et donc ces marques, grossièrement, c'est une batterie, une mémoire, des capteurs. Et on enregistre la profondeur, la température du poisson, la température de l'eau et la luminosité. Et avec ça, on peut avoir une idée du comportement du poisson dans la colonne d'eau, où il se trouve la journée, où il se trouve la nuit, et aussi son déplacement horizontal avec la luminosité par un procédé qu'on appelle la géolocation. On essaye de retracer son déplacement réel. Donc là, il est probablement associé à la bouée météo sous laquelle on a marqué le poisson. Et là, on voit que sa profondeur dans la nuit et la journée varie très peu. Il reste toujours entre 25 et 100 mètres de profondeur, que ce soit la journée ou la nuit. Donc là, en fait, j'ai récupéré des têtes de thon albacore qui ont été échantillonnées par un observateur à bord d'un bateau. Et donc, il a déjà échantillonné tous les organes qui étaient à l'intérieur, ainsi que le muscle. Et là, je vais extraire les otolithes qui sont logés à l'intérieur du crâne du poisson. Ils sont deux. En fait, il y a plusieurs otolithes, mais ils sont trop petits pour être analysés. Ce n'est pas ceux-là dont on va servir pour étudier la croissance du poisson.
Donc ce sont deux grandes sécrétions calcaires. À l'intérieur, ce sont des petits os, en fin de compte, qui sont logés dans un canal otique. On appelle ça un canal fait de membranes. Il faut savoir que normalement, l'otolithe a un rôle pour le poisson de savoir où est-ce qu'il se trouve dans la colonne d'eau. Donc c'est un petit peu l'oreille interne du poisson. Donc c'est très important pour nous de récupérer cette otolithe pour estimer l'âge du poisson. Donc, voilà, j'en ai un ici, un premier otolithe. Voilà, et le deuxième. Donc j'ai nettoyé les otolithes, je les sèche et ensuite je les place à l'intérieur des Perndorff. Hop, pour pouvoir les stocker. Donc j'ai un numéro ici qui va faire référence à un poisson sur ma liste. Sur les informations qu'on a, ça sera la taille du poisson, le sexe et quels sont les échantillons qui ont été prélevés sur ce poisson-là. Voilà. La première chose qui est importante pour moi lorsque je récupère ces marques, c'est de savoir si l'information est pertinente et correcte. Une fois qu'on est sûr de ce contrôle, on importe ces informations dans une plus grande base et on va vérifier les zones de pêche avec les capteurs qui sont mis sur les bateaux pour vérifier leur tracé. On va regarder en fin de compte où est parti le bateau et si ça correspond avec l'information qui nous a été donnée par la personne qui a trouvé la marque. Donc il y a vraiment un nettoyage en premier de la donnée. Ensuite, cette donnée, elle est vraiment importée dans des modèles, donc c'est les statisticiens qui vont extraire les informations et s'en servir pour faire des prédictions et évaluer des stocks, etc. C'est le plus gros programme de marquage du monde. Hein. On a marqué entre 2006 et 2012 400 000 poissons. Et à l'heure actuelle, on en a récupéré un peu plus de 73 000, je crois. Et ça correspond à peu près à 18%. Un peu plus de 18% de recapture. Quand une personne trouve une marque, soit elle me contacte directement par la CPS, soit elle envoie un email à travers notre site internet, soit elle contacte la personne qui est dans le pays dans lequel il se trouve. Pour récupérer ces marques, on a voulu motiver en fin de compte ces personnes à ramener les marques, donc on leur donne une récompense qui va à la hauteur de 10$ jusqu'à 250$ pour les appareils électroniques. Il y a aussi des données qui sont collectées par des gens qui mesurent des poissons au débarquement. Tous les jours, il y a des gens qui sont au port et qui mesurent des poissons et qui, ça nous donne une idée de quelle fraction de la population est pêchée. Est-ce que c'est des petits, est-ce que c'est des grands, est-ce que c'est des adultes, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à il y a 10 ans, quelle fraction de la population est pêchée maintenant. Voilà. Ça, c'est une indication aussi. En Nouvelle-Calédonie, l'espèce de thon principalement ciblée, c'est le thon blanc. Et puis, ils pêchent également un peu de thon jaune et de thon obèse. Donc, globalement, la ressource en thon blanc, on estime qu'elle est globalement saine sur l'ensemble du Pacifique. Donc, actuellement, on estime que biologiquement, c'est un stock qui est plutôt en bonne santé. Par contre, au niveau économique, ça commence à devenir moins rentable. On peut continuer à pêcher la bonite au niveau auquel on la pêche actuellement. Le thon jaune, on est arrivé au maximum un peu de ses possibilités. Il faudrait peut-être même diminuer l'effort de pêche. Le thon blanc, il faudrait pas pêcher plus. Et c'est surtout au niveau économique que là, les problèmes se posent. Actuellement, il y a trop de bateaux et économiquement, ça ne devient pas rentable. Donc là, c'est un problème de surcapacité d'effort de pêche. Et le thon obèse, lui, par contre, est donc en état surexploité et il faudrait donc en pêcher moins. En Calédonie, il n'y a pas de mesure précise sur la pêcherie de thon obèse adulte, mais au niveau du Pacifique, il y a des mesures qui sont prises pour essayer d'en diminuer les quantités pêchées. Il y a trop de poissons sur le marché, trop de bateaux. Certains bateaux industriels actuellement pensent à s'arrêter et à mettre les bateaux à quai pendant un ou deux mois. Là maintenant, à l'heure actuelle où je vous parle. Pareil pour le thon blanc dans le sud, au niveau des palangues, c'est pareil. Là, il y a économiquement, les bateaux commencent à ne plus être rentables. Donc, on peut s'en inquiéter. Par contre, ce n'est pas irréversible. Les mesures qu'on essaye de mettre en place actuellement commencent à être suivies d'effets. Actuellement, donc, tous les ans, il y a une interdiction de pêche sous DCP de 4 mois qui est suivie.
On a aussi obligation de débarquer tout ce qu'on capture. Donc ça oblige les bateaux à ne pas faire de coups de pêche juste pour voir sur un banc de thon. Et puis, oh, là, ils sont trop petits, on les rejette. Là, ils sont obligés de garder ça à bord. Donc là, ça, ils font attention. Voilà, il y a des mesures qui sont suivies. Donc en fait, l'ensemble du travail que l'on effectue, c'est vraiment d'essayer d'acquérir suffisamment de connaissances sur le thon, mais aussi sur tout son écosystème, pour pouvoir donner les informations nécessaires aux gestionnaires, aux personnes qui vont prendre les décisions, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en fonction de leurs objectifs, qui soient effectivement d'avoir une pêche durable, dans les meilleures conditions possibles, de conserver l'écosystème avec l'ensemble de ses éléments, par exemple les requins. Et donc nous, on apporte ce soutien scientifique de connaissances pour leur permettre de prendre ces bonnes décisions et de mettre en application des réglementations qui vont pouvoir donc permettre la durabilité de la pêche. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le circuit du thon en Nouvelle-Calédonie et qu'elle vous aura fait prendre conscience de la fragilité de la ressource. Heureusement, il n'est pas encore trop tard pour réagir. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours, même heure, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt !